Et salut à tous les amis, c'est Mofou et aujourd'hui, nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous présenter le nouveau skin sur Fortnite Battle Royale. Comme vous le savez, il est 2h du matin, donc qui dit 2h du matin, qui dit nouvelle boutique sur Fortnite Battle Royale. Et en espérant que cette vidéo-là vous plaira, n'hésitez surtout pas à vous abonner à la chaîne YouTube, de mettre un petit commentaire positif et on n'oublie pas le petit like sur la vidéo. Objectif 15 likes, donc je compte sur vous, je sais que vous pouvez le faire. Donc aujourd'hui, comme j'ai dit, on a un nouveau skin. D'ailleurs, si vous l'achetez dans la petite boutique, on n'oublie pas le petit code créateur, moi vous YTB dans votre petite boutique. Parce que là, je sais pas pourquoi, là, je l'ai plus. Attendez, je vais vous montrer directement. Hop. Donc là, vous allez là. Soutenir créateur. Boum. Et voilà, comme ça, merci à tous ceux qui le feront. Donc aujourd'hui, on va parler du nouveau skin sur Fortnite Battle Royale. Il est là, franchement, il est quand même assez badass, assez stylé. Et franchement, je pense qu'il y a des gens qui vont juste ralas parce que le skin, il est quand même assez beau. En soi, je sais qu'il y a des gens qui vont me dire « Ouais, mais moi fou, voilà le skin, il est beau, certes, mais il est quand même assez gros. » Et en game, je ne jouerai pas avec un skin comme ça énorme. Mais ceux qui aiment bien faire des collections des skins sur Fortnite et qu'ils achètent juste parce que c'est des petits pigeons, bah n'hésitez surtout pas à acheter ce skin-là. D'ailleurs, sur 10, mets une petite note sur 10. Est-ce que tu mettrais 1 sur 10, 2 sur 10, 3 sur 10, 4 sur 10, 5 sur 10, 6 sur 10, 7 sur 10, ou alors 8 sur 10, ou 9 sur 10, ou alors 10 sur 10. Donc c'est pour ça, en commentaire, n'hésite pas à mettre ta petite note. C'est gratuit, ça mange pas de pain, on est en confinement, donc prenez votre temps. Et aussi, on n'oublie pas les petits abonnements, on partage à ses amis, hein, ça c'est vraiment la base des bases. Parce que bientôt les 5000 abonnés, et ça sera grâce à vous qu'on y arrivera là. Donc comme j'ai dit, le petit skin, il est là, avec ses petites, genre des petites licornes, vous savez, un peu sur Astérix et Obélix. Ça, on a le pareil sur le petit chapeau, ses petits yeux en mode vénère, par contre il a un œil qui part en couille, j'ai l'impression, oui il part vraiment en couille. La petite bouche, qui est assez stylée, donc là le gros nounours, le gros papa ours là, avec sa grosse queue derrière le cul. On a aussi, pareil là, au niveau des gros papa ours. Je pense que Zugiri va l'acheter parce que ça, c'est gros papa ours, ça c'est pareil. Donc voilà, hashtag papa ours dans les commentaires, si t'es encore là sur la vidéo. Parce que je pense que lui va l'acheter, et voilà, parce que c'est un gros ours quoi. Donc là, pour le coup, on peut pas faire mieux. Avec sa grosse étoile là au niveau de là, ça c'est plutôt cool. Oh, les petits symboles, je sais pas ce que vous avez vu, regardez là. Genre de petites capsules avec un petit sourire. Là, un petit cœur. Et là, c'est marqué Connette Scoot. Je sais pas ce que ça veut dire, dites-moi en commentaire. Donc voilà, si j'ai une petite note à mettre sur 10, franchement j'y mettrais du 7 sur 10, pas plus, parce que il est très beau, certes, il a 1200 V-Bucks, mais je l'achèterais juste pour l'avoir dans mon truc et pas aller sur une game, ou alors sur une game de fun pour rigoler avec mes potes, mais je verrais pas ça en build fight un joueur pro quoi, c'est... je pense pas quoi. Ensuite, on a son petit sac à dos par contre qui est assez stylé, avec ses petites étoiles comme ça, la petite tête, là les petites épées. Avec des genres de petits trucs diamantés ou je ne sais pas ce que c'est. Mais quand même assez cool. Ces petites mains sont très drôles parce que ça fait des tout petites mains, des petits pieds. Pour un gros truc comme ça quoi. Mais je pense qu'il y a pas mal de gens qui vont l'acheter juste pour l'avoir comme ça ou pour jouer entre potes. Voilà, pour essayer de rigoler. Donc voilà, dites-moi en commentaire que vous mettrez sur 10. Moi j'y mets du 7 sur 10. Ensuite les amis, on a aussi... Alors attendez, parce que là faut que je refais ça. Voilà. Je sais pas pourquoi, faut bien j'essaie d'en mettre la barre. Donc là on a aussi, boum, un petit revêtement d'arme. C'est le petit skin là qui revient, bon ça je vais pas le refaire. Ça pareil, on a aussi là qui revient. Mais on a aussi le retour du petit skin de la saison 7, baliseuse. Franchement qui est assez stylé. Pareil, il y a plusieurs aperçus, donc aperçu soit comme ça ou comme ça. Hop, c'est comme vous voulez. Qui est vraiment assez stylé. Pour 1200 V-Bucks et son petit sac à dos par contre qui pue la merde. Ensuite les amis, on a aussi le retour d'un petit revêtement d'armes, chapitre 2 saison 2, donc qui est pas tellement vieux, 500 V-Bucks, donc voilà qui est vraiment quand même assez stylé en soi. Dites-moi en commentaire d'ailleurs si vous l'avez acheté ou pas, si vous aimez bien ou pas. Attends, je vais directement faire ça au pire, voilà je vais faire ça parce que je sais pas pourquoi. Ah voilà, c'est bon. Donc comme j'ai dit, on a le petit revêtement d'armes qui est vraiment stylé sur la SCAR, le pompe. La petite arme, le sniper, le petit flingue, le truc à lance-vie. D'ailleurs, si mon frère regarde ces vidéos-là, n'hésitez surtout pas à me l'acheter hein, pour 500 V-Bucks. Une petite danse, voilà, de la saison 4 pour 500 V-Bucks aussi. Le retour d'un petit skin, As du volant, qui est vraiment stylé pour 800 V-Bucks de la saison 7. Une petite danse de la saison 7 pour 500 petits V-Bucks. Et pour finir, une autre petite danse de la saison 5 pour 200 petits V-Bucks. En soi, la petite boutique, voilà, elle est assez stylée. Il y a pas mal de petites nouveautés, donc un nouveau skin, une nouvelle pioche. Je vous invite vraiment à aller voir la vidéo que j'ai sortie juste avant pour montrer la petite pioche. Un peu, qu'est-ce que je dis, un peu sur la petite pioche. N'hésitez surtout pas aussi, ceux qui arrivent
directement sur mes vidéos et qui ne me connaissent pas, voilà, là, de mettre votre petit Discord. Donc j'ai un Discord que j'ai créé avec deux potes. N'hésitez surtout pas à nous rejoindre. Pour ceux qui ont Police Simulator, GTA 5, LSPD ou Flashing Light ou alors d'autres jeux. Voilà, donc là on a créé un genre de petit serveur. Donc là vous allez directement là. Vous allez sur le petit lien que j'ai mis en description. Et là vous aurez ici, et ça c'est notre petit Discord. Donc voilà, il y a gendarmerie, tout ça. Donc j'espère que ça vous plaira. N'hésitez surtout pas à nous rejoindre parce qu'on a vraiment besoin de vous les copains. Donc voilà, je compte sur vous. Et comme ça, plus on est nombreux, plus on s'amusera. Merci à ceux qui rejoignent. Je vous dis ciao, portez-vous bien les copains.